Nous sommes le 15 janvier 2024 et l'émission Maurice et la nuit se déroule à Paris. Sont présents ce soir-là Kader de Troyes, Alexandre et Zora de Strasbourg et Benjamin de Muguet. Événement remarquable, Zora a obtenu un entretien d'embauche. Sa recherche d'emploi va-t-elle aboutir? Va-t-elle enfin travailler et prendre sa vie en main? Alexandre, lui, nous fait partager son emploi du temps surchargé et inflexible et nous parlera de ses fréquentations. Dans cet épisode, vous apprendrez donc à vivre au rythme de notre couple strasbourgeois, et ce n'est pas donné à tout le monde. Benjamin débattra avec Maurice sur la préparation du petit salé aux lentilles et nous fera découvrir une spécialité culinaire, la mique. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Oui. Alexandre et Zora, 45-29 à Strasbourg. Présent. Benjamin, 44 à Muguet. Benjamin ? Oui. Ah. Zora et Alexandre, c'est à vous. Et ensuite, on ira à Muguet. Oui. Oui, bah alors, oui. Je disais oui, Boris. Voilà. J'ai postulé pour le travail, ce travail-là et ce boulot. Mais je voulais aussi parler de du salaire. Parce que le salaire, tout de suite, il m'a dit. En fait, il a dit l'émission que j'allais faire. Oui, je sais, la restauration, ouais, servir le client, encaisser, prendre la commande, servir, et nanana, ça je sais. Mais après, il dit, en ce qui concerne la rémunération, le salaire sera de 600 euros par semaine. Soit 2400 euros par net par mois. C'est suspect, ça, non? Pourquoi? 2400 balles par mois. Pourquoi? Non, c'est pas suspect. Parce qu'en restauration, Maurice, c'est vrai. En pourboire, tu touches, garçon. Quand j'ai travaillé, tu touches. Bah moi, je trouve son mail suspicieux quand même, ce monsieur. Pourquoi ? Bah, il fait une offre de travail et il met dedans les conditions tarifaires. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Ah, en fait, Maurice, moi, je trouve que c'est énorme. Maurice, qui le choque, lui ? Ah, c'est le prix. Ah, moi, je connais pas les prix, mais oui, ça doit être les prix. S'il le met, c'est sans doute parce que il doit penser que Zora va. Parce que je crois que c'est un peu compliqué pour les mecs d'avoir des serveuses. J'imagine, je sais rien, je le connais pas le monsieur. Je sais pas, c'est pas les prix c'est pas les salaires des gens dans les bars aujourd'hui, c'est pour travailler de quelle heure à quelle heure et de quel jour à quel jour. Ben pour l'instant, ça il m'a pas encore dit ce que je le verrai le 29 janvier avant l'entretien d'embauche. Parce qu'il dit, il veut qu'on se voit, qu'on se rencontre le lundi 29 janvier avant pour l'entretien d'embauche lors de notre entretien. Donc le monsieur n'a ni donné de nom d'entreprise, on ne sait pas dans quel secteur. Mais dis-toi, je veux savoir là. Ah, Maurice ? J'ai pas compris, excusez-moi. Voilà, à cause de lui. Pardon. Je lui ai dit, alors, moi je dis ce qu'il m'a écrit, c'est ça que je trouve ça louche un peu. Nous pouvons nous rencontrer le lundi 29 janvier avant, pour l'entretien d'embauche, lors de notre entretien. Nous allons déterminer ensemble le planning en tenant compte de vos disponibilités. Ouais, c'est curieux qu'il parle en plus d'imaginer que tu vas pouvoir choisir tes horaires. Mais bon, je sais pas, c'est pas quelqu'un qui a pignon sur rue. Comment tu as trouvé cette annonce? Bah, je l'ai vu sur un site, là. Sur un site de travail? De travail, moi aussi. Bon, bah, bon, peut-être qu'il faudrait qu'Alexandre soit pas trop loin. Pour appeler la police, vu que lui, il va pas rentrer dans la... Si jamais c'est... C'est curieux, mais bon, non. Enfin, je sais pas, ça me paraît pas... Bon, je sais pas. Enfin, le risque n'est pas grand, peut-être. Enfin, si c'est en plein jour, dans un établissement dont tu connaîtras le nom, donc le 29 janvier, et ça t'empêche pas de continuer à prospecter. Ah oui, moi, je postule encore, hein. Mais là, c'est bien. Ça tombe bien, en fait, hein. On verra, ouais, je verrai, ouais, je ferai attention, je verrai quand, où, comment on se rencontrera. C'est lui qui me dira. Apparemment, c'est un nouvel établissement parce qu'il a marqué dans son, ouais, c'est un mail un peu bizarre, quelques tâches vous seront confiées avant l'ouverture. Donc bon, j'estime que quand un monsieur ouvre son restaurant, il peut au moins donner le nom. Je pense qu'il y a pas, c'est pas un secret de polichinelle. Ouais, en fait, il peut donner l'adresse, il peut donner. Mais c'est ça le problème.
Mon problème, c'est que je ne sais pas le nom du restaurant. Ben voilà, donc je veux dire que le monsieur avance masqué. En fait, je suis pas trop, j'aime pas trop les gens qui avancent masqués. Mais je ne comprends pas. Il répond à une candidature. Mais comment sinon il a trouvé les coordonnées de Zora? Il a répondu à ce que sur le site. Moi, j'ai répondu sur le site. J'ai envoyé un CV. D'accord, donc l'établissement, il doit être répertorié quelque part, non? Je sais pas, c'est une question plus que... C'est pas un Maurice, je vois. C'est pas un monsieur qui soudain t'envoie un message sur ton téléphone. Ah, attends, Maurice, parce qu'il m'a envoyé un message aussi sur mon téléphone. Il m'a envoyé un message sur mon téléphone me disant que... il allait m'envoyer... que je devais lui envoyer mon email pour qu'il m'envoie l'annonce de toutes les informations de travail. Ça, c'est chelou. C'est bizarre. Mais je sais pas, moi, si... T'as pas de nom d'entreprise, t'as rien du tout. Hein? T'as pas de nom d'entreprise, genre, t'as rien du tout. Ah non, y a rien. Après, je lui ai demandé, mais il m'a pas répondu. Il a juste voulu savoir où j'habitais, mon nom, mon prénom, et mon numéro de téléphone. Et je lui ai dit, je lui ai envoyé. Mais après, quand une indication sur l'endroit où ça va se passer, rien. Il m'a dit Strasbourg, mais il m'a pas dit le nom du bar ou du restaurant, ou je vois. Il m'a pas dit. Oui. Il n'y a même pas de cabinet de recrutement. Est-ce que c'est un cabinet de recrutement qui t'a recherché ou c'est directement le futur employeur qui te contacte là? C'est le futur employeur. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ouais, mais je verrai, de toute façon, je ferai attention. Ouais. Après, moi, dans mon expérience. Il te parle en salaire brut ou en salaire net? Net? Ouais. T'as pas marqué le tout net? Il a écrit net, 2400 euros, net. Ah bah voilà. En règle générale, on parle plus en brut quand on parle de salaire, brut, on parle pas de. Ouais. En vrai de vrai, ouais. Voilà. Donc. Ouais. Bon, j'en sais rien, hein, moi. Je sais pas, peut-être que. Faut voir. Ouais. Je sais pas, enfin, manifestement, il réagit à ta candidature, en fait, le mec. C'est pas quelqu'un qui t'a trouvé, qui t'envoie un SMS en me disant je sais pas quoi. Non, Maurice, voilà, ouais, c'est ça. Si moi j'aurais pas postulé, là j'aurais eu aucun message. Donc je pense que non, c'est juste que. T'as mis une photo sur ton profil? Non. Rien. Ouais. Juste mon prénom. Ouais, je vais quand même faire attention. Bah oui, moi de toute façon, moi je suis. Je te protège, moi. Toi? Bien sûr. Mais en fait, Maurice, non. Oui, enfin, oui, il faut qu'Alexandre soit pas trop loin, qu'il puisse. Non, c'est une bombe lacrymogène. Mais non, mais pas une bombe lacrymogène. Mais non, il faut qu'Alexandre sache un peu à quelle heure tu vas, etc. Pour si c'est louche, je sais pas quoi, appeler les gendarmes pour dire voilà, il y a un problème. Zora, tu ne vas pas te lancer dans une bagarre. C'est fou, hein, les gens d'aujourd'hui. Ils sont dingues, en fait, je pense. Les couilles, Maurice. Ouais, mais bon, je pense que avec toutes les horreurs qui se passent, c'est un peu ce que je disais à la fille tout à l'heure. Hein, avec toutes les horreurs qui se passent aujourd'hui, je pense qu'il faut pas se dire ça, quoi. Que tu vas te débrouiller avec une je sais pas quoi, une bombe machin, te lancer dans la bagarre. Bon, si effectivement c'est un peu bizarre, un peu curieux, il faut demander au monsieur s'il a des toilettes. Dire pardonnez-moi, est-ce que vous avez des toilettes, je reviens, et puis te barrer, voilà. C'est ça qu'il faut faire, pas sortir ta bombe lacrymogène, je sais pas quoi, mais qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi. C'est de la folie, c'est complètement dingue, en fait. Mais non, c'est pour me défendre. Maurice, imagine, c'est un truc de cul ici. Oh,
C'est vrai que Zora a toujours le don de se mettre dans des ennuis. Non. Ben oui, parce que avec ta bombe lacrymogène, tu ne peux que te mettre dans des ennuis. Tu pèses 60 kilos, un mec qui a décidé de faire je sais pas quoi, qu'est-ce que tu vas faire avec ta bande de rien du tout? C'est lui qui va te l'arracher des mains et t'en mettre un coup dans le visage. Il faut pas que tu réagisses comme ça. Il faut que tu te dises, si jamais c'est bizarre, ben je vais pas me défendre, mais je vais m'en aller. Faut partir. S'en aller. Maurice, pas te lancer dans une. Comment? Tu fais trop. J'ai pas compris. Toi, tu crois trop? Maurice, tu crois trop, toi? Il faut être que les gens ils sont gentils, ils sont sympas. Tout le monde n'est pas gentil. Il y a des gens méchants, hein. C'est ce que je suis en train de te dire. Et toi, tu penses que tu peux rivaliser. Je te dis justement que tout le monde n'est pas gentil et que le mec a l'intention de te faire du mal, il va t'arracher la bombe que tu vas avoir dans les mains parce que toi, tu sais pas t'en servir. Il va te mettre une tarte dans la gueule et en plus, il va te bomber. Et tu vas rien faire du tout. C'est pour ça que je te dis que s'il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe dehors, c'est pas toi, hein, c'est moi. Moi, je sais ce qui se passe. Ah, moi, Maurice, tu proposes. Moi, je suis pas à Strasbourg enfermé dans un studio toute la journée. Oh. Moi, je te dis pareil. C'est vrai. Moi, ce que je reproche, c'est que je lui donne les mêmes conseils que toi et que quand moi je lui donne les mêmes conseils que toi, elle me traite de tapette, Maurice. Mais n'importe quoi, t'es une tapette, toi, lui. Maurice, c'est pas une tapette, Maurice. Ah bah autrement je prends la brèche, je vais passer à Strasbourg dès ce soir, on va en parler. Kader, et on mène ta bombe lacrymogène. J'imagine que si tu te présentes à l'emploi, si c'est un bar en question qui te reçoit dans le bar pour parler avec toi, tu sais d'avance si c'est une artère qui correspond exactement à l'endroit où il y a des bars. Et oui. Si c'est un truc où tu rentres dans un espèce d'immeuble que tu sens pas, bon bah effectivement là tu pourrais te poser des questions, mais bon, il faut y aller. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Mais bon, Zora, elle a vu le chiffre 2000, le nombre 2400 euros. Elle est prête même à prendre des risques pour ça, en fait. J'ai étudié, j'ai regardé un peu vite fait, 2400 euros brut, c'est en fourchette haute ce que certains touchent, fourchette ce que touchent les serveuses, les serveurs sur Strasbourg. Hein. Ouais, mais en travaillant, quoi, j'imagine. Ah oui, quand même. Tu vois, pas en arrivant à 11h le matin et en partant à 16h. Je pense que tu dois quand même crapahuter dans le bazar, là. Ah oui, bien sûr. Oui, ça m'a pas choqué, le prix. Pour des gens qui travaillent dans des bars dans une grande ville, ça serait dans un village, je te dirais, c'est curieux. Mais bon, pour travailler dans une grande ville de France, mais j'imagine que le mec, il doit appuyer sur la pédale, hein. Tu dois pas trop rester. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a donné le taux horaire, il a donné le taux par semaine. Normalement, on dit plus combien tu vas gagner par mois, quoi. C'est 2004. Si, je peux être payé par mensualité aussi. Non, par hebdomadaire, tu veux dire. Je peux être payé par semaine, Alex. Il n'y a qu'aux États-Unis que tu es payé par... Ah non, dans les intérêts, mais je crois qu'aux États-Unis, tu es payé par semaine. Par semaine. Mon pote qui bosse aux États-Unis, il est payé par semaine. Non, mais faut pas commencer comme ça, parce que ça veut dire que l'entretien, il va se faire tout de suite sous le regard de... C'est pas bon de commencer comme ça. Vaut mieux laisser venir. Et puis, l'endroit, s'il se prête à un endroit de travail, il n'y a pas lieu de commencer à se mettre des trucs dans la tête... sinon c'est pas la peine. Moi je te vois arriver en pensant que je vais t'agresser, cette femme là a un problème psychologique. Non mais faut pas rentrer comme ça non plus, C'est à cause de lui. Non mais bon, là voilà, donc le mec manifestement il semble avoir éludé les questions de pognon. Maintenant là, ce qu'il faut savoir, c'est combien de temps il faut travailler, parce que on imagine que s'il est pas avare sur le pognon, s'il est dans les prix pratiqués à Strasbourg, on imagine qu'il doit aussi pratiquer le travail qui est de Strasbourg. Ouais. Parce que même la tenue elle est donnée. Hein. Bon, quoi, elle est donnée, ouais. Oui, mais non, c'est aussi quand je travaillais. La tenue, elle est donnée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Excusez-moi. C'est pas un bar à plus, j'espère, je vais demander. Ah bon? Attends, c'est pas un bar à escorte, j'espère. Attends, ta gueule. La tenue, Maurice, quand tu travailles dans la restauration, que ce soit en cuisine, que ce soit en service, en cuisine, on te donne le tablier. En cuisine, on te donne les chaussures de sécurité. Ah oui, on te le fournit. Oui, mais en fait, faut que tu le rendes si tu te barres, je pense. Voilà. Oui. Donc, peut-être que là, je crois qu'il va me donner la tenue de service. Ah oui, mais est-ce qu'il a écrit dans le message? Bah oui. Oui, d'accord. Bon, mais très bien. On vous fournira une tenue pour travailler. J'ai une tenue. Moi, je m'apporte un noir, une chemise, et voilà. Une jupe.
Voilà. Bon. Ouais. Eh ben, c'est très bien, en tout cas. Bravo, Zora. Je pense que l'idée de... d'être déjà dans le processus, d'être embauché, etc. C'est bien. Ouais, Maurice, ouais, c'est ça qui... Moi, je pense que c'est ça qui me faut. Attends, faut que je rebosse. Ouais, parce qu'elle est saoulée d'ici. Je elle est saoulée avec moi. Ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de lassitude. Elle a envie de partir, Maurice. Elle est saoulée de voir ma tête tous les jours. Bah, elle a 29 ans. Maurice, regarde sa tête. Je sais pas si tu vois. Mais non, mais, Alexandre, c'est pas le problème de ta tête. C'est qu'elle a 29 ans. Elle a très peu travaillé pour une gonzesse de 29 ans et ça fait 3 ans qu'elle est posée sur son cul à regarder la télé et à rien faire. C'est normal qu'elle en ait marre. C'est la belle vie quand même. C'est la belle vie. Mais non, c'est pas la belle vie ça justement. C'est pas ça la belle vie, Alexandre. La belle vie, il y a plein de gens qui croient que c'est ça la belle vie, c'est de rester juste. Alors bon, vous avez pas beaucoup de fric, mais les gens s'imaginent que c'est juste de rester comme ça, puis d'avoir de l'argent, alors on dépense. Mais c'est extrêmement ennuyeux comme vie. On est des êtres humains, on a envie d'être inséré dans des trucs, d'être attendu, voilà, qu'on compte un peu sur nous, c'est ce qui nous donne un peu de valeur, un peu d'intérêt, tu vois, tu te lèves le matin, t'allumes la télé, quand t'as fini de regarder. Vous pouvez vous après, Maurice. Oui, mais bien sûr, avec plaisir, la main est à toi, Alexandre, je m'épanche un peu, mais, c'est une vie dont que personne dans la réalité ne souhaite être juste de se lever le matin pour regarder la télé, je veux dire. C'est Je suis pas du tout d'accord. Ah oui, Après Maurice, moi ce que je veux retrouver comme avant j'avais, je veux avoir une responsabilité. Mais oui, mais bien entendu. Une responsabilité qu'on te dise, alors Zora, on t'attend demain matin à 9h, on va faire ci, on va faire là, on t'attend les clients machin, tu vas t'occuper de tel coin, n'oublie pas de faire machin. C'est comme ça qu'on fonctionne, l'être humain. C'est comme ça, ouais. Après, c'est comme ça, là, tous les boulots, il y a toujours des trucs, il y a des contraintes. Bien entendu, il n'y a pas de travail sans contraintes, ça n'existe pas. Voilà. Mais après, moi, je pense que les contraintes là, de la restauration, c'est quoi c'est un métier, c'est dur, la restauration. Enfin, je le connais pas, moi, ce travail. Mais enfin, je le connais comme ceux qui vont consommer dans les restaurants, c'est un travail dur, extrêmement dur. Message de Céline, elle a 57, elle est à La Rochelle. Salut Maurice, c'est sidérant la mauvaise volonté qu'Alexandre affiche pour que Zora ne puisse pas travailler. Je l'ai dit et je le répète, Zora, grandis, choisis tes offres d'emploi et ne te fie pas à l'avis d'un mec qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais bossé, et envole-toi vers la liberté. Alexandre, continue à compter tes doigts de pied et à te ronger et à te les ronger et fous-lui la paix. Bonne soirée, Céline. Message de Laurie, la 45, qui est à Tokyo, au Japon. Salut Maurice, quelle émission. Saperlipopette. Alexandre, ne serait-il pas satisfait du fait que Zora ne travaille pas? Celle-ci, limitant ses interactions sociales, elle ne risque pas de rencontrer du monde. Point de suspension. Jalousie et insécurité de la part d'Alexandre. Point d'interrogation. Cheers. Laurie. Laurie, c'est un monsieur. C'est pas la Laurie qui était une fille tout à l'heure. Kader à 48, il est à 3. Oui. Alexandre Zora, 45, 29 à Strasbourg. Présent. Monsieur Petit Salé, Benjamin, 44 à Muguet. Bon. On t'entend pas très bien, Benjamin. Si tu l'acceptes, on avance un petit peu chez les Strasbourgeois, si t'es d'accord. Oui. T'es là, bon. Allez-y, Alexandre, envoyez la sauce, parce que je crois que tu voulais réagir. Alors, moi, je trouve que... regarder la télé, bon, moi, déjà, je trouve que c'est pas du tout ennuyeux de ne pas travailler. Si j'avais les moyens financiers, Maurice, moi, je pose, c'est que regarder la télé, bon, moi, déjà, il faut avoir plusieurs passions. Moi, j'ai une vie très, très, très prise, heureusement. Je veux dire, Maurice, moi, déjà, c'est les chevaux,
je mets en place une technique. C'est-à-dire que là, par exemple, donc, il y a le meeting de Cannes-sur-Mer. Je me lève le matin, il est 10h30. Donc, je regarde tous les entraîneurs. J'ai mis là une technique en place. À 10h30, c'est fini, on est en train de commander à bouffer. Qui est un entraîneur strasbourgeois. Voilà, donc je vais suivre ce meeting. Chaque jour, il y a des courses de chevaux. Donc, mon temps est occupé. Mon temps est pris, je ne m'ennuie pas. Je vais suivre donc cet entraîneur, tous les chevaux qu'il a, qu'il va ramener. Ensuite, au football, tout le foot. Donc là, j'ai mis une technique en place, Maurice. Je vais miser les scores de 2-0 et 3-0. Également un écart de 1 que l'équipe à domicile gagne d'un but. Avec les cotes, combien je vais miser? Donc sur le 2-0, je vais miser 3,80€. Sur le 3-0, 2,80€. Avec des cotes de 12€, je calcule mes gains. Tu sais, Maurice, ça prend des minutes et des minutes. Ensuite, je me lave. Ensuite, à midi, il y a les 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann. C'est pas des émissions un peu pour les personnes âgées, non, qui fait le Jean-Luc, mais là. Mais non, Maurice, non Jean-Luc Reichmann, d'ailleurs, je salue Jean-Luc. Ouais, moi aussi, je le salue bien. Oh, Dieu. Ensuite, je regarde le jeu. Ensuite, Maurice, je m'informe, je regarde le journal de 13h. Maurice, je m'en fous. Donc, je m'informe, Maurice. Ensuite, l'après-midi, ben, je prends mon petit vélo, je vais en ville. Donc j'ai un côté social, Maurice. Ça m'a saoulé. Je veux dire ensuite, je suis au PMU, je suis avec mes amis. Je ne m'ennuie pas, Maurice. Et je ne travaille pas, mais j'ai une activité sociale. Ce n'est pas un ennui. Pour moi, regarder la télé n'est pas un ennui, c'est une grande source de culture. Ça dépend ce qu'on regarde. Mais tu vis un peu comme une personne âgée. Mais une personne âgée reste... Ben non, Maurice. Non, mais attends, mais c'est pas une critique, Alexandre. En tout cas, c'est l'idée que je me fais de l'emploi du temps d'une personne âgée, en dehors des petits calculs, mais bon, etc. Dans la télé, parce que finalement, c'est comme si pour moi, c'était un emploi de regarder la télé. C'est comme si c'était un travail. Oui, mais ce n'est pas un emploi, justement. Côté, finalement, c'est celui Alexandre, qui regarde la télé qui est fainéant. Alexandre, oui, regarder la télé, ce n'est pas un travail, en fait. Sauf si tu travailles dans l'analyse des programmes, etc. Il y a des gens qui regardent la télé, mais être téléspectateur d'une émission depuis chez soi, ce n'est pas un travail, quoi. Oui, mais Maurice, ça n'a rien de vieux d'être un téléspectateur. Tu es en train de dire qu'être un téléspectateur, c'est être vieux. C'est pas vrai, ça. Mais certaines émissions, me semble-t-il, il me semble qu'il y a des émissions pour la jeunesse, etc. Je sais pas exactement ce qu'il fait Jean-Luc à la télé, mais pour moi j'ai l'impression que c'est une émission plutôt pour les retraités, quoi, pour les personnes âgées. J'ai du mal à imaginer des gens qui ont 25 ou 30 ans en train de regarder, je sais pas comment ça s'appelle, parce que les 12 coups de midi, minuit, midi, en fait, tu sais ce que c'est cette expression, en fait. Cette expression, tu sais ce qu'elle veut dire? Celle qui a inspiré le nom de cette émission. Non, je ne sais pas. Mais en fait, c'est ce qui représente les gens âgés, en fait, les 12 coups de midi, minuit, ouais. Là, je sais pas quoi. C'est une expression qui s'intéresse aux personnes âgées. C'est pour ça que je pense que l'émission ça s'intéresse aux personnes âgées. Les 12 coups de midi. Oui, mais elle n'aurait rien dans les personnes âgées, Maurice. J'ai pas compris. Non, c'est pas semblant. Non, je te taquine, Maurice. Bah, y a rien d'ennuyeux, Maurice. Non, j'ai pas dit que l'émission était ennuyeuse. J'ai dit que c'était une émission qui, si j'ai bien compris, en tout cas, son nom a plutôt un rapport avec les personnes âgées. Voilà, mais quand tu regardes les gens qui sont en public, déjà il y a pas des vieux, il y a beaucoup de jeunes. Oui, c'est d'ailleurs parce que le champion actuellement, il a 20 ans, Maurice. Oui, enfin le public, je veux pas t'embêter, mais c'est une entreprise qui loue, en fait, le public. Les gens que tu vois dans les émissions sont des gens qui sont loués par une entreprise. Ouais, ce sont des gens auxquels on offre des Milky Way à midi pour enregistrer ces émissions. C'est payé, alors? Pardon. Non, qui ne sont justement pas payés, c'est parce qu'ils, c'est juste qu'ils sont contents de passer à la télévision. Bon, on va dire, ce sont pas, si tu fais attention, ce ne sont pas des inventeurs qui sont dans la salle. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas attendus de façon impatiente par leur employeur pour faire avancer la boîte, on va le dire comme ça. À cette heure-là, hein. Bon. Après, Maurice, voilà. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, après, oui, il faut pas rester 8 heures chez soi devant la télé. Mais je veux dire, moi, ensuite, je sors, et puis ensuite, je reviens.
Et je regarde quoi, question pour un champion? Moi, j'aime beaucoup l'information. C'est vrai que je regarde différents journaux télévisés. Et ensuite, bah, j'écoute Maurice Radio. Alors, quand il y en a plusieurs, on dit journaux. Hein. Attention. Ouais, à voilà, noter. À noter journaux, quand même. Mais je veux dire. Attends, on va parler. Il n'y a rien d'ennuyeux dans une vie si. Avant de parler. Allez, faut savoir que lui, faut bien lui dire que lui, j'ai pas son âge. D'accord? Ouais. Maurice, je te jure, avec Maurice, hein, je voulais sortir ce week-end. Je voulais boire un verre. Il avait même des amis à lui, là, que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu, parce qu'il n'habite pas à Strasbourg, il habite à une heure d'ici. Il lui a proposé, qu'il se voit et tout. Voilà, parce qu'il travaille dans un truc de serrure et tout, ça, là, non? Donc, et lui, il a dit oui. Mais j'ai dit, mais non. Là, tu nous apprends qu'Alexandre a des potes serruriers. C'est une taquinerie, Alexandre, c'est une taquinerie. C'est une grosse blague qui marche bien avec toi. Il voulait pas sortir. Vous pouvez aller. Parce qu'en fait, je voulais qu'il sorte lui. Comme ça, moi, je sors aussi. Et c'est vrai que ce que je me reproche, c'est que souvent mes amis me proposent des choses et moi, je ne donne pas suite à mon amitié. C'est chiant. Je prends pas soin de mes amis. Ouais. Et ça, je m'en veux beaucoup parce que je les appelle que quand j'ai besoin d'un service. Et ouais. Mais attention, Maurice. Ce n'est pas mauvais de ma part, je le fais pas. Oui, tu le fais pas consciemment. Mais je dis ça dégueulasse de ma part. C'est juste que tu as des rapports avec les autres qui sont appuyés sur l'intérêt. C'est un mec intéressé, ça s'appelle. Ouais, non, Maurice, ben non, c'est pas. Bon, en général, ces gens-là, le jour de leur enterrement, il y a personne. Oui, mais Maurice, si tu me connais bien, et d'ailleurs, enfin. Non, mais je taquine, Alexandre. Je sais, je comprends, Maurice. Mais bon, j'ai un peu discuté avec Kader en antenne il y a des années. Il a vu que j'étais quelqu'un de je suis pas quelqu'un par intérêt, je suis quelqu'un de très gentil. T'es un connard. Mais c'est vrai que ça m'énerve parce que j'ai envie de dire, je pense que j'ai pas assez confiance en moi. J'ai peur que ces gens s'ennuient avec moi. Parce que je me dis finalement, ces amis, je rigole bien avec. J'ai des amis sur lesquels, ouais, on se voit, mais au bout de 5 minutes, on n'a plus trop quelque chose à se dire. Parce que t'es ennuyant. Et je trouve que je suis très ennuyant. T'es ennuyant. Et je me dis que merde, si tes amis, je les invite. Le problème. Qu'est-ce qu'on va se dire au bout de 5 minutes? C'est ça le problème. C'est que tu veux croire que tu sais tout alors que tu sais rien. Non, je viens de dire que je suis ennuyant. Tu veux croire, tu sais. Tu veux faire croire que tu connais tout, que tu connais rien du tout. Et tu vois, Maurice. Pas le truc de jeune d'aujourd'hui. Donc, pas. Tu connais rien, tu connais pas fille. Ouais, arrête juste de me couper la parole en fait. Eh, je te dis, t'es nul. Ouais. Ah, chier. D'accord, ouais. Bah si t'es pas content. T'es nul à chier. Allez, on vous dit, arrête Zora de dire des grossièretés. Allez-y Alexandre, laisse-le parler un peu. Il t'a laissé parler tout à l'heure. Moi en fait, si j'invite par exemple ces deux amis, j'aimerais faire une raclette ici. On va de quoi on va discuter en fait. Ouais. Je me dis à un moment, tu vois, il y aura un blanc. Enfin, je me demande comment on va s'occuper en fait. Et là Et là, je me dis merde, de quoi il va en retourner en fait. Parce que bon, on se voit pas pour faire des, on se voit jamais pour faire la fête. Je les vois dans leur société, mais je les aime beaucoup en fait. Je les apprécie. On joue aux échecs ensemble. Et ensuite, ouais, c'est spécial parce qu'on n'a pas trop de, on trouve pas des points communs quoi. On trouve pas de points communs et je me dis mince. Peut-être qu'au bout de 20 minutes, ils voudront partir parce qu'ils s'ennuient. Alors bon, je me dis, bon, moi je propose qu'on peut jouer à la console de jeu, au jeu de voiture. Je propose qu'on peut, voilà, de regarder Equidia, on peut miser sur des courses de chevaux pour trouver un truc où le temps passe, quoi. Où on se dit, oh putain, ouais, tiens, c'est sympa. Parce que bon, tu manges ta raclette, tu parles de quoi, en fait? Tu parles de quoi? Parce que bon, nous, on... Fais comme tout le monde, on mange une raclette, on parle de je sais pas quoi, de tout, puis il y aura la petite Zora, là, elle va mettre l'ambiance, Zora. Zora, elle va mettre une ambiance de la mort. Ouais. Il faut que je l'organise. Pareil, j'ai dit à un mec du PMU, je dis tout le temps, oui, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes comme chocolat? Ah, ben moi, je préfère les chocolats noirs, amers, parce que j'avais dans l'idée de faire un cadeau. Mais à chaque fois que je pose cette question,
Parce que logiquement, la personne, quand tu lui poses la question, elle se dit, tiens, il veut m'offrir des chocolats, il veut m'offrir un cadeau, c'est super gentil. Mais au bout d'un mois, rien ne vient. Au bout de deux mois, rien ne vient. Donc la personne doit se dire, putain, pourquoi il m'a posé la question, pourquoi j'aime les chocolats. Et ouais. Je lui ai reposé cette question pour qu'il s'en souvienne. Et enfin, Maurice, à Noël, ben voilà, parce que moi, je me réveille vachement tard. Enfin, j'ai dit à Zora, écoute, je vais acheter des chocolats à cet ami. Et enfin, bah, je lui ai offert, quoi. Ah, bah voilà, tiens, très bien. Il a attendu 5 ans. Ils étaient, c'était d'il y a 5 ans ou bien tu les as achetés cette année? Non, j'ai acheté bien sûr cette année, mais, bon, mais c'est ça bien. M'énerve dans mon comportement, Maurice. Je m'en veux beaucoup, en fait. En fait, je m'en veux? Non, en fait, ce problème, c'est qu'il ne tient pas parole. Ouais, ça, les gens qui tiennent pas parole, c'est des gens qui sont détestables en général. Je les déteste, moi, les gens qui tiennent pas parole. Non, ça, ils hérissent le poil. Je préfère qu'ils se taisent. Oui, exactement. Je devrais me la fermer au lieu de demander à cette personne, ouais, qu'est-ce que tu aimes comme chocolat? Ferme ta gueule et tu lui offres. Ouais. Et j'ai du mal à... Pourtant, c'est pas une question de radinerie parce que je suis allé chez un chocolatier, j'ai payé 10 euros ces chocolats. Ouais. Il a payé 10 euros de chocolat. Moi-même, il a acheté pas 10 euros de chocolat. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, Maurice. Ouais. Est-ce que c'est de la paresse? Est-ce que je suis pas une mauvaise personne? C'est pas une parce que je veux pas de service de, je veux des services de personne. En fait, l'argent. Mais je n'arrive pas et ça m'énerve dans mon comportement. Je n'y arrive pas, Maurice. Mais moi, je sais c'est quoi ton problème. Et donc quelque part, j'ai pas d'amis en fait. Mais moi, je sais. J'arrive pas à entretenir une vraie amitié. Ah ben on peut pas. Zora, attends, je veux bien savoir. Non, allez-y, Kader, pardon. Bon, enfin, je pense qu'on peut pas regarder la télévision et avoir des amis en même temps. Pardon, allez-y, Kader. Attends, il y a Kader qui essaie de dire quelque chose. Allez-y. Non, je voulais savoir qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il dit, toi, Zora. Tu disais, je sais, moi, pourquoi. Ouais, merci. Ben, moi, comme je vis avec lui tous les jours et que je connais, je pense qu'il est trop focalisé sur sur l'argent, sur se dépenser. Il est radin un peu, non? Il est radin? Il est radin. Mais ouais, il s'en cache pas, Alexandre. Hein, il s'en cache pas. Il est pingre. Il est pingre, ouais. Bah, il fait même pas un cadeau ni à Noël ni pour son anniv, hein, Alexandre. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Bon, on peut pas l'accuser de mentir ou de faire semblant, parce que. Ah, Maurice, les gens qui sont comme ça avec toi, mais que toi t'es pas comme ça. Toi t'es pas radin. Moi je suis pas radin, hein. Oh putain, mais si j'avais d'argent, tout ce que je lui aurais acheté, et encore tout ce que je lui ai acheté, hein, tout le temps. Ce que j'avais, je l'ai quand même acheté plein de choses, hein, avant quand j'avais d'argent. Oui, bon, écoute, chacun fait selon son caractère, on fait pas en fonction des autres. Ouais. Bon, voilà, il est pingre, toi tu l'es pas, t'as envie de lui faire des cadeaux, ouais, tu lui fais des cadeaux. Je ne suis pas, moi, à être radine. Si j'ai, je fais. Mais tu n'es pas obligé de ressembler à Alexandre, Zora. Allez, on va muguer, faire un tour, parce que là, il y a un petit Salé qui tourne sur le gaz, et on aimerait bien le manger. Oui. C'est à toi la main, Benjamin. Oui. Merci pour ta patience. Oui, bah non, monsieur, c'est juste que je suis nul en électronique et en technologie. Mais en même temps, en cuisine, j'ai mangé un petit salé. Je suis allé aujourd'hui avec ma petite voiture à Sarlat-la-Canéda. Ah ouais, tiens. Et c'était vraiment sympa. Parce que j'étais off, comme on dit. Je ne travaillais pas et je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit salé. Qu'est-ce que c'est le petit salé? Saucisse, lard, lentille. Alors, et toi? Moi, attention, on t'entend. Pas... On a raté un peu ce que tu disais, Benjamin. Alors, je te disais que le petit salé, oui. pour moi, c'est l'échine de porc, la basse-côte, avec un peu de poireau, des pommes de terre, un petit peu de lentilles, tu as raison. Attention, j'arrive. Toi là, ton billet est pas valide, pas de don, pas d'émission, pas de coco, pas de radio, pas de rond, ça sent la punition. Merci de faire un don à Maurice Radio Libre. Hey, mais bonjour! Bonjour les auditeurs de Cité Radio et bienvenue sur Maurice Radio Libre. Si tu veux appeler Maurice, c'est par Skype ou par téléphone
plus 33 9 77 19 73 37 plus 33 9 77 19 73 37. Allez, hop là. Hey, c'est quoi? Ça y est. Ouais, ça y est. On les a. Ouais, on les a enfin numérisés, ces cassettes de l'époque Sky. Fonce dans la boutique Maurice Radio Libre et régale-toi. On est bien d'accord, l'alcool, faut l'acheter, mais pas le boire. Ok, mais les coffees, tu peux en offrir pour donner du cœur à l'ouvrage à ton meilleur ami. Soutiens Maurice Radio Libre et fais péter ton café, ton coffee, ton café. Tu l'as là? Allez, merci et lâche-toi. Kader à 48, il est à 3. Oui. Alexandre et Zora à 45, 29 à Strasbourg. 16 ans. Benjamin, 44 à Muguet, petit salé. Oui. Alors moi, le petit salé, c'est quand même jarret, lard et lentilles, avec un petit peu de carotte. Voilà. C'est celui-là qui me fait rêver, moi. Ouais. Pour moi, c'est ça, le petit salé que j'adore. Il vient d'où, ton petit salé? Qu'est-ce que vous dites? Il vient d'où, ton petit salé? Comment ça, il vient d'où? C'est celui que je fais dans ma cuisine, moi. Bah oui, t'as appris ça où? J'ai appris ça j'ai appris ça il y a très très longtemps dans le livret de la cocotte minute Seb, parce que Seb c'est bien. La vraie cocotte. Ouais, moi je n'ai que ça, mais j'en ai une assez ancienne en aluminium et je m'en sers plus, et j'en ai en inox des 8 litres, formidable, j'adore. Elles sont trop lourdes pour toi, maintenant. Non, très bien. Les 8 litres, ça me permet de faire des belles... Ça fait... Mais tu m'as donné très envie. Je vais me relancer là dans un petit salé. Là. Mais comme j'aime bien, moi. Plutôt Jean Bonneau, lard, lentilles, carottes. Aïe, 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 aïe. Oh, tu me donnes faim, là. Ça me donne faim, putain. Pardon. Et quoi? Et poireaux. Ah, je mets pas de poireaux, moi, dedans. Je mets pas de poireaux dans le petit salé, moi, non. Non, juste carottes, lentilles, oignons, forcément, lard, et un petit jarret, là. Pff, oh là là, mon Dieu. Ah, c'est bien, cette idée-là. Hein. Ça, c'est de la bonne bouffe d'hiver. C'est des choses qui habillent bien. Hein. C'est génial. Et t'aimes bien la mic? Je crois que j'en avais déjà parlé. C'est quoi ça, la mic? Je connais pas la mic. Ouais. Alors la mic, c'est de la farine, des œufs, et puis un petit peu de levure. Mais c'est pas si tu connais. Je pense. Non, je ça pense me dit rien, moi. C'est quoi? C'est du pain? Ça fait comme un pain? C'est du pain qui. Qui grossit sur ta mic. Sur ta mic, qu'est-ce que c'est la mic? La mic, c'est de la farine, des œufs, ouais. De la levure. Levure chimique ou de boulanger? De boulanger. Boulanger, ouais. Des œufs, ouais. De la farine, ouais. Et voilà, et tu la mets dans une espèce de toche. De poils. Tu laisses monter ça, non? D'abord. Ça repose, non? Voilà, c'est une grosse mie de pain, quoi. Ah, d'accord, non, je connais pas. Avec des œufs. Alors, hein. Ouais. Mic. Ça s'écrit comment? M-I-Q-E. M-I-Q-U-E. M-I-Q-U-E. Mic. Alors, à quoi ça ressemble, ça? Et ça se mange quoi? C'est comme du pain, en fait. Ça se mange comme... La mie qui est... C'est ça, c'est de la mie de pain, mais plus, très épaissie. À base de céréales. Plus... Ouais. Comment ça? La mie qui est un plat à base de céréales proche du pain, dont la recette peut fortement varier localement, mais qui a, pour caractéristique commune, un appareil compact poché dans un bouillon. Ah ouais? Oh, ça va être spécial, ça. Ouais, je veux bien goûter, moi. C'est lourd, non, un peu? Non, tu dépends comment tu la fais lever. Ouais. Tu la mets dans un linge propre, bien sûr. D'accord. Et tu la mets avec ton petit salé. Et tu manges ça avec le petit salé?
Ah bah oui. Oui, oui, c'est très auvergnat. Et quoi, tu sauces avec ça? Ah bah bien sûr. Mais tu peux le manger avec du beurre, du jambon, du fromage. C'est magnifique. C'est super. Normalement, nous, c'est ce qu'on fait ici en Dordogne, dans le Périgord. On fait la mique. Ah ouais, Valais de la Dordogne, je vois. Rocamadour, pas d'Irak. Alors, la mique fait figure d'institution dans la gastronomie de la vallée de la Dordogne, appelée aussi phare levé. C'est une boule de pain cuite dans le bouillon. Exactement. Comment ça cuite dans le bouillon? Comment ça cuite dans le bouillon? Je comprends pas. Bah, c'est le bouillon, en fait, ce sont les poireaux, les pommes de terre. D'accord, mais comment ça cuite dans le bouillon? C'est-à-dire qu'une fois que ça a levé, tu le mets dans le bouillon? Non. Non, c'est-à-dire que tu le trempes, après tu mets un linge autour de la mique, de ta levure que tu as faite lever, avec ta farine, et ensuite tu le mets dans, comme disons, enfin une grande cocotte, et après tu le manges avec... Non mais comment tu le cuis? Tu le cuis dans... Je n'arrive pas à comprendre comment on fait cuire ce truc-là. Dissous la levure, machin, pétrir la boule de pâte, machin. Au bout d'une heure, casser la pâte, reformer une boule. Pendant ce temps, cuire le petit salé pendant une heure, elle fait tout, etc. Retirer la viande, faire cuire les légumes, bien. Une fois la mique a bien levé, faire une entaille au couteau. Ouais. Et la faire cuire immédiatement dans son torchon, dans le bouillon, pendant 1h15. Ah ben oui. Merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais entendu parler de ça. Un truc qui cuit dans le bouillon. Il faut que je trouve un endroit où on fait ça pour le goûter déjà fait. Pour voir ce que ça a. Ouais, c'est marrant ça, c'est bien. Merci pour la culture. Là. Ah, c'est bien ça. C'est un bon accompagnement et en plus c'est quelque chose que tu peux réutiliser. C'est comme si tu achetais une baguette. Tu peux réutiliser pendant 3 semaines. Ah ouais. Et tu peux le manger avec tout. Mais à chaque fois, il faut le retremper dans le bouillon? Ah ben, bien sûr. Et pas que dans le bouillon. Tu as fait ta mique. Voilà, c'est un gros machin qui gonfle. C'est comme un... Je sais pas comment dire. C'est ce qu'on appelle le truc auvergnat. C'est une espèce de boule de pain que tu peux bouffer pendant 2 semaines. Et tu peux touiller, tu peux saucer, c'est extraordinaire. C'est super. Bah, il faut absolument que je vais essayer de bouffer ça, moi. Ah, bon. Mais j'ai déjà mangé dans ce resto, là. À Rocamadour, là, ce truc-là. Ah bah oui. J'ai déjà mangé dans ce truc. Je savais pas qu'il savait faire ça, moi. Merde. Ouais. J'ai déjà mangé dans ce resto à Rocamadour. Oh, je me souviens, j'étais descendu de... Non, j'étais allé en Espagne. J'étais allé à Valencia, à moto. Et je suis remonté par Rocamadour une fois. Ouais. Il y avait une gonzesse là-bas qui m'attendait. Et je me souviens de l'extrême fatigue dans laquelle j'étais, parce que la route de Rocamadour, là, putain, comment ça tourne. Et droite, et gauche, et droite, et gauche. Et quand tu viens de tu viens de rouler, je sais pas combien de bornes ça fait depuis Valence. Je savais plus comment je m'appelais, je rêvais que d'un truc. Et je me souviens, cette fille, elle avait réservé un restaurant. Et je me revois, je crois que c'était ce restaurant-là, d'ailleurs. Et je me revois à table en train de piquer du nez. Tellement j'étais fatigué. Pardon, excusez-moi. Allez-y, Benjamin. Non, mais c'est marrant ce que tu dis. Quand tu viens dans ces coins-là, tu t'apprends à vraiment bien bouffer. Là, je parle de petit salé. C'est une chose entre autres, mais c'est... C'est tellement bon. Ma mère m'a fait ça l'autre jour. C'est un truc de... Enfin, on va dire, c'est un truc de grand-mère.
Tu rajoutes ça avec de la mie que t'as plus envie de manger pendant 15 jours. C'est tellement délicieux. Ah non, je venais d'Alicante, je me souviens. Alicante, je venais pas de Valencia, je venais d'Alicante, pardon, excuse-moi, je pense à ça. C'était une grosse route, hein. C'était une grosse route. Je sais pas combien de bandes ça fait. Toi, ta mère, quand elle te faisait 981 kilomètres quand même. Hein. Je peux te dire les derniers 80 bornes. Là, tu sais plus comment tu t'appelles là dans les arbres. Là. Pardon, excuse-moi, Benjamin. Allez-y. Non mais ta maman, quand elle faisait de la vraie bouffe. Quand tu voyageais beaucoup, elle te faisait quoi? Ma maman qui me faisait de la vraie bouffe. Ah non, c'est pas le genre de ma maman, ça, de me faire de la vraie bouffe quand je voyageais. Ah non, parce que moi. C'est toi? Ah non, c'est pas. Non. C'est pas le genre de ma maman. D'accord, très bien. Toi qui la faisais pas. Non, moi je suis un fan de ça, là. Mais le petit salé, là. Ça va me travailler, je crois. C'est l'idée. Parce qu'en plus, ça fait un petit moment que je tourne autour des lentilles, parce que j'ai envie de manger des lentilles. T'as besoin de fer, ouais. Ouais, tu crois? J'ai besoin de baffrer. Non, je me suis fait un pot-au-feu ce week-end, là, qui était bien. Ouais. Qu'est-ce que j'ai bouffé encore? J'ai bouffé un autre truc ce week-end qui était bien, mais c'était quoi? Ah, un poulet fermier. Voilà. Ça, c'était bien. Il y a un gros poulet de fermier de 2,6 kg. Il était bon, celui-là. Et c'était vraiment, vraiment très, très bien avec des patates. Hein. C'est l'hiver. Ouais. L'hiver, on mangeait patates. Ouais. Et dans ce cas, tu apprécierais de manger un koleno tchèque. Ouais, pourquoi pas. Remarque, ouais, aussi les plats en sauce, là, dans le nord de l'Europe, ils font des trucs comme ça, là, bien divers, c'est ce qui est formidable. Ouais. Non, c'était bien un poulet fermier simple, ail, oignon, tu vois, avec des carottes croquantes, comme j'aime bien. Mi-cuite, ouais. Avec de l'ail frais, là. Le truc qui fait que tu parles à personne après, parce que bon, t'es plus présentable, quoi. Oui, c'est bon. Ouais. Ouais. Et ouais. Enfin bon. Non, c'est bien la bouffe. C'est important, la bouffe. Non. Donc tu essaieras l'ami qui est alors. Ah mais ça absolument. Ça a l'air, c'est singulier. J'aime bien l'idée du truc qui cuit dans le jus là, je sais pas quoi, dans son torchon. Ça doit être. J'aime bien les plats comme ça là où ça il y a du, tu vois, s'il y a de la personnalité quoi. J'espère que je vais être. Il y a un mec qui écrit ail oignon un poulet fermier. Ben oui, c'est sympa aussi. Il faut pas toujours se compliquer la vie. Bien doré. Je l'aime bien un peu. Je l'aime bien exagérément cuit en plus, moi, le poulet. Je l'aime bien. Oui. J'aime bien quand il est resté longtemps, parce qu'il a certains morceaux qui deviennent presque croquants, puis d'autres qui sont très fondants. C'est pas mal. Voilà. Très bien. Si vous êtes au régime, pour vous éviter de craquer en écoutant Maurice et Benjamin parler de bouffe, allez faire un tour dans la boutique de Maurice Radio Libre. Comme ça, vous pourrez vous faire un thé avec un mug Maurice Radio Libre. Non, c'est vrai. Et il y avait un autre truc que j'ai pas mangé cet hiver, que j'aime bien manger l'hiver. C'est quoi encore? Qu'est-ce que t'as bouffé, toi, cet hiver-là? Benjamin.
Ouais, bah, j'ai bouffé tout, moi. J'ai bouffé de la truffe. J'ai bouffé du pain. En fait, quand je suis redescendu de Paris, je me disais que je bouffais pas le pain que. Moi je suis un fan de pain. Ah, moi, j'aime le pain de Paris. Pour moi, c'est le pain, c'est le top. Pour moi, il n'y a pas mieux. C'est pas tellement de Paris. Ah, la campaillette, mon Dieu, la campaillette. Oui, la campaillette, oui, bien sûr. Ah ouais. Non, mais ici, tu prends des tourtes, tu les tranches, tu les tranches pas, tu prends juste un pain. Ça j'adore, tu vois, quand je vais faire mes courses le matin, je fais pas mes courses à Paris. Je suis à la campagne, Ah, moi j'aime bien faire mes courses à Paris, moi. Au marché, c'est formidable. J'ai mon marché préféré là. Je mange bien des beaux fruits. C'est meilleur que le sexe, ouais. Qu'est-ce que vous dites? C'est meilleur que le sexe, en fait, la bouffe. Meilleur que le sexe, non. Le sexe, c'est le top. Après, il y a la bouffe, très près. Non, le sexe, c'est quand même un truc. On a une chance formidable. On a tous les outils sur nous. On n'a pas besoin d'aller chercher d'objets. Il y a pas d'attente pour le sexe. On a été équipé. C'est intégré, quoi. Et le sexe, c'est. Je pense que c'est la plus belle sensation qu'on puisse avoir avant la bouffe. Ouais, mais Maurice, si t'as pas bouffe, si tu fais du sexe et que t'as pas bouffé et que t'as faim, avoir la sensation de faim, c'est agréable aussi. Moi, je suis pas d'accord, c'est plutôt d'abord la bouffe, faut avoir le ventre rempli. Moi, je suis pas d'accord. Et après, on baisse, non? Moi, je suis pas d'accord, non. Je pense que le sexe, ça te nourrit aussi. Ça te nourrit aussi. Alors, ça veut pas dire que tu peux remplacer la bouffe par le sexe, mais il y a des moments où le sexe, c'est, la bouffe, c'est après le sexe. C'est génial. C'est génial, d'ailleurs, la bouffe après le sexe. Ah oui, mais non, mais là, oui, si tu bois pas, donc le mieux c'est de boire. Ah bah voilà, bon, oui, mais oui, mais on parle pas de ça, on parle de plaisir, d'envie. Maurice, t'as pas mangé depuis 4 jours et tu manges une bonne entrecôte, tu penses pas que t'auras un pied énorme? Oui, ouais, mais bon, c'est là n'est pas la question, parce que bon, j'imagine que si t'as pas mangé pendant 4 jours. Non, parce que je pense que si t'as pas mangé pendant 4 jours, ton entrecôte, tu la manges pas avec plaisir. Tu essaies de te remplir, donc vaut mieux manger du pain. Si c'est un problème d'alimentation. Après, il y a le plaisir. Je vais dans l'extrême. Ben non, tu parles de rester bouffé sans 4 jours. Si t'as pas mangé pendant 4 jours, t'en as rien à foutre de manger une entrecôte. T'as envie de manger n'importe quoi. Tu peux manger des pâtes, tu peux manger du pain, n'importe quoi. Puisque là, c'est ton corps qui a besoin de trucs. On n'est pas dans le plaisir. La question de Benjamin était, enfin en tout cas moi je l'ai interprétée comme une question qui est dans le plaisir. Et rien de tel d'ailleurs qu'une bonne séance de baise et après un excellent repas. Parce que l'inverse, dans l'inverse, quand tu rentres, t'as envie de dormir. Alexandre, non, il faut d'abord qu'il mange et après il mange. Ouais, mais bon. Oui, mais Alexandre, il mange des produits industriels, là, plein de sucre et tout ça, donc ça lui tape un peu au milieu de la tête. C'est pas pareil. Non, là, on parle d'aller manger la mique avec un petit salé, donc tu fais du cul, formidable, tu fais une belle séance de cul, et après ça, tu sors la mique du truc, là, et là, t'envoies le petit salé, là, c'est le pied, quoi. Et après, tu dors. On est souvent après baiser, ouais. C'est vrai qu'on a faim souvent après avoir baisé, toi, ouais. Mais je parle de toi. Toi, je parle de toi. Non, toi. Mais attention, on parle pas de la même chose, Alexandre. On ne parle pas d'avoir faim. Parce que la mique là et le petit salé, tu manges pas ça parce que t'as faim, tu manges ça parce que c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, toi, on est encore dans tes 4 jours, on n'a pas mangé, il faut se remplir. Là, on n'est pas là-dessus. Là, on est dans le plaisir, quoi. T'as une belle séance de cul, formidable,
Et après la séance de cul, tu manges, tu te mets à table, quoi. Là, c'est... Ouais. Et après, tu dors avec la main, les mains sur le ventre et tu ronfles. Ouais. Ouais, formidable. C'est vrai, c'est des choses simples. Hein. Mais oui. C'est tellement. Moi, j'adore encore une fois. Moi, je parle souvent de bouffe. Quand on a de la chance de bien bouffer, je pense que c'est vraiment le meilleur des plaisirs. Mais sincèrement, hein, c'est sans faire de grandes phrases. Mais quand t'as bien bouffé, quand tu bouffes, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Le reste. C'est quoi de bouffer? Comment? Quand t'as bien mangé, après tu veux quand tu baisses. Tu manges. Tu vois là ce qu'on décrit avec Maurice. Que tu manges même des haricots verts, tu vois, fins, très fins, extra fins, que t'as récolté, etc. Mais c'est juste le pied de manger des choses qui te font plaisir. C'est mieux que du cul. Ouais. Faut vraiment que le goût soit une fois. Qu'est-ce que vous dites? Faut que le cul soit bon, hein. Quand on prend du plaisir, quand on dit le pied, faut vraiment que le cul ce soit bon. Ah mais c'est pareil, le cul pour que ce soit formidable, il faut travailler, hein. Ça c'est pas juste comme ça. Pour faire du cul parce qu'on a pas baisé depuis 2 semaines. Ah oui, mais c'est comme manger quand on n'a pas mangé depuis 4 jours, on mange pas un bon truc. Voilà. Alors, attends. C'est vrai que le sexe, c'est quand même mieux que de la bouffe. Ouais. D'accord. Quand on est dans des conditions normales. Ouais. D'accord, ouais. Ah, c'est vrai, ouais. Mais si, t'as le sexe avant la bouffe. Donc d'abord, tu fais le sexe et après. Ben oui, c'est ce que j'ai dit 4 fois, là. C'est pas rentré. D'accord, ok. Non, mais le sexe, faut aussi, il y a du plaisir. Avant et après le sexe, tu verras. Hein? Et c'est la bouffe avant et après le sexe. Moi, je pense qu'il faut faire le sexe avant la bouffe et après la bouffe, dormir. Peu importe, les deux me vont. Moi, je suis pas un mec, moi, je suis pas un homme, vous êtes bizarre, vous êtes chelou, vous. Mais moi, je peux faire l'amour à toute heure de la journée, manger, pas manger. Moi, mais personne n'a dit, l'inverse, Zora. Personne n'a dit le contraire. Mais on essaie d'organiser les plaisirs. Et donc, on les a hiérarchisés. C'est en fonction de votre âge, de vos hormones. Là, admettons, Zora, il est 14h. Non, mais et je te propose, est-ce que tu vas dire d'abord on mange ou d'abord on baise? C'est quoi ta réponse? Bah, ça dépend, si mon ventre est la fin, je mange. Si j'ai pas faim, bah, je baise. Ah, je suis pas d'accord, moi. Non, la baise d'abord. La baise d'abord et ensuite mais bon, attention, moi je parle pas de manger une pizza surgelée dans qui sort du frigo, hein. Ça c'est pas de la bouffe, ça c'est un truc moi que j'ai du mal à comprendre. Je préfère manger un morceau de pain et du beurre. Plutôt que je mange pas ça, quoi. Mais bon. C'est fouille. Ouais, mais de l'organisation du plaisir, Maurice, on parle dans une situation où t'as pris un petit déj, où finalement t'as le choix en fait. Le choix, soit de manger. On parle du plaisir, on n'est pas en train de se, on n'est pas dans l'alimentation, on est dans le plaisir. On ne parle que du plaisir. On n'est pas en train de se demander si on a le ventre qui gargouille. On est dans le plaisir. On se dit alors pour le plaisir, comment on s'organise? Moi, je dis, on baise, et après on bouffe. Faut quand même avoir le ventre qui gargouille pas, quand même. Hein. Parce que quand t'as le ventre qui gargouille et vouloir avoir un plaisir de baiser, ouais. Ça n'a rien à voir. Parce que le ventre qui gargouille, c'est qu'est-ce qu'on mange? On mange quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'on mange, Alexandre? Va dans le frigo, Alexandre, va dans le frigo, on mange quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Bah là, je mange n'importe quoi avant de ça. Non, mais il y a quoi dans le frigo, là?
Il y a quoi ? Il y a des biscuits, il y a du salami, il y a du... On mange pas de salami, ouais. Je veux dire, moi je fromage, mange, j'en ouais, mange ouais, pas, ouais, moi. Ça, c'est quoi le fromage ? Mais j'ai presque envie de dire Maurice. On a fait, attendez, on a, c'est quoi le fromage ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, mais non, ouais, on a le ventre qui gargouille, on mange du pain avec de la vache qui rit sur le bord de la route. Mais bon, là, on n'est pas dans le plaisir. Ah non, là, on n'est pas dans le plaisir. Non, je vois ce que tu veux dire, Maurice. Ouais, il faut monter d'un cran. Dans le frigo, il faut qu'il y ait un morceau de comté, un beau morbier, un brebis, un sanec. Là où je rejoins Maurice, s'il y a du caviar, du champagne sur la table et qu'on dit bon, qu'est-ce qu'on fait ? On bouffe d'abord le caviar. Non, on mange pas du caviar, non. Non, Alexandre, non, tu te trompes. Ouais. On ne mange pas du caviar. Du caviar, c'est. Ouais, mais c'est encore autre chose, ça. On est dans autre chose. Le caviar, on est dans autre chose. On est dans un autre truc encore. Là, nous, on était sur des plats élaborés, très travaillés, de la bouffe qui attache, qui est de la bouffe d'hiver, quoi. Attention, hein. Ouais. On est sur la bouffe d'hiver, là. Petite saucisse de morteau avec les petites lentilles. Voilà, ouais. Pourquoi pas. Voilà, oui. Je vois ce que tu veux dire, oui. Voilà. Ouais. On n'est pas en train de manger on n'est pas en train de s'apprêter à toaster et à boire. Hein? Ouais. C'est pas pareil. Moi, je dirais aussi, Maurice, dans un petit chalet au Menuire, ouais. Au Menuire? Pourquoi diable est-ce qu'on irait au Menuire ? Les Menuire ! Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça, Alexandre. Non. Allez, moi, tiens, on va. Dis, oui, pardon, Zora. Marie, dans le balcon, en haut. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce qu'elle dans a dit ? Ah oui, là, chez machin, là. Ah ouais, là, c'est pas pareil. Là, on n'y va plus pour manger, on y va pour parader. Tiens, j'avais une petite question pour Zozo. Zora, tu manges quoi le matin ? Ah, alors, le matin, ça dépend. Des fois, j'ai faim, des fois. Un lapin. Quand t'as très. Ce matin, un lapin. J'ai très faim ? Très faim, tu manges pas. Bah, en fait, c'est ça le truc, moi. Le problème, moi, le matin, je me force à manger parce que j'ai pas faim. Voilà. Ben, si je mange, ouais, je mange des biscottes, je te mange des céréales. Mais oui, Burke, c'est pour ça que t'as pas faim, Burke. Bah, excuse-moi, ça m'est échappé. Excusez-moi. Non. Ah, quand même. Ouais. Tu manges quoi le matin ? Oh, t'as faim. J'ai 12 coups de midi. Ouais, il se lève à 11h. À 11h, c'est le moment où tu commences à penser à l'apéro. Il se réveille. Tu le vois au balcon, il est en pyjama. Oui, je pose une question. Alors, à qui était la question, pardon, Benjamin ? Qu'est-ce qu'elle mange le matin ? Alors Zora, vas-y, on voit. Mais oui, mais bon, t'as vu ce qu'elle mange le matin ? Des produits oui, industriels bien, dans des boîtes en carton. Oui, c'est du coup, hein. Oh là là, mon Dieu. Ouais, non, mais tu m'étonnes, elle est pas fin. Sur la table, tu sais, t'as le, je sais pas quoi, le lion dessiné, là. Oh là là, ouais, t'as, c'est sûr. Quand tu vois ça, t'as pas faim, hein. Tu... Ouais, t'as le petit déjeuner... Non, une belle tartine. Mais oui, on vous entend. Une belle tartine qui serait passée au grille-pain, pas trop, qui serait croquante à l'extérieur, oui, moelleuse à l'intérieur, avec un beurre salé qui se mettrait à couler dessus, avec des cristaux de sel. Ça, c'est autre chose que la boîte en carton avec le blister et le bazar dedans qui a été jeté par une machine. Pardon, excusez-moi. Oui, Zora, tu as raison, c'est à toi qui se posait cette question. Oui, pardon. Allez-y, Zora. Ah là, vous avez fermé le micro, donc on vous entend plus.
Tout à l'heure, on vous entendait, mais quand vous fermez le micro, on vous entend pas. Ça, c'est bien foutu. Alors, Zora, vas-y. Des croix à la cannelle. Camel ? Non, des croix à la cannelle. 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 Qu'est-ce que c'est, ça ? Bah, c'est des feuilletés de feuilletés, il y a la cannelle à l'intérieur. Des quoi ? C'est Stein, en boulangerie. Il me ramène des croix à la cannelle. C'est des feuilletés. Ah oui. Dedans, c'est quoi ta feuilletée ? Ouais, ça doit être lourd, là. Tu dois avoir du mal à te lever. Non, oui. Les croix à la cannelle. Mais pourquoi vous mangez aussi mal que ça, quoi, je veux dire. c'est une super viennoiserie, Maurice, en forme de croix. Avec mais non, mais on mange pas des... Mais non, c'est à Noël qu'on mange des viennoiseries, mais on mange pas des viennoiseries chez soi, les croix à la cannelle le matin au réveil, non, mais non. Les croix à la cannelle de chez Stein, Maurice. Mais ouais, bon, oui, c'est très bon, les croix à la cannelle, mais c'est, ouais, c'est le dimanche, quoi, peut-être. Ouais, mais je préfère ne pas en avoir si c'est ça. Viens chez Stein, je t'inviterai, voilà. Mais non, mais chez Stein, on y va à 10h, on passe chez Stein à 10h, on suit une petite croix à la cannelle en avec un petit café, en rigolant, c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Mais on ne peut pas se lever le matin en mangeant des croix à la cannelle. Humainement, ce n'est pas acceptable. Avec un petit pain au chocolat clair, Maurice. Oui. Mais non, mais ça c'est une petite... un petit plaisir qu'on se fait une fois tous les 15 jours, voilà, on est là, on se dit, ah bah tiens, il y a chez Stein, allons boire un petit café, manger une croix à la cannelle, un petit, je sais pas quoi, pain au chocolat. Mais on ne se lève pas en mangeant des croix à la cannelle, je veux dire, c'est imbouffable, c'est vrai. Pourquoi ils vendent ça en boulangerie, Maurice? Mais ils le vendent pour que tu puisses le manger à 10 heures. Zozo, c'est la question. Qu'est-ce que tu manges le matin? Tu vois, c'est ta droite. Le matin, je suis pas à 8h du matin réveillé, moi. 10h30, 11h. Hein. Comment? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à 11h? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Moi, ben, je suis réveillé, moi, entre 10h30, 11h. Oh, mon Dieu. Ce soir, brunch. Ah, voilà, Maurice, pour là, pourquoi je vais travailler les mars. Ah ouais, et on se levait à 11h, t'imagines, on a déjà fait la moitié de notre journée. Oui. Ouais. T'as fait la moitié de ta journée, t'es chez Stein en train de grignoter un petit truc là rapide en te disant faut pas trop forcer parce qu'à midi, à midi aussi on va se faire une petite omelette rapidos, mais et là t'entends le démarreur de Zora, t'es rou, elle démarre, il est 11h du matin avec Alexandre qui lui fait bouffer des croix à la cannelle. Effectivement, si tu vis comme ça, c'est vrai que tu n'as aucune banane, quoi. C'est vrai qu'à 11h du matin, quand t'émerges et que tu manges ça... Bon, c'est sûr que t'as pas la patate que t'as à 7h30 du matin après deux tartines. Je bois du thé à la menthe, sinon un café, d'orange. Ouais. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Le matin, tu manges pas consistant? Vous mangez pas un peu des fois consistant le matin quand même? Le problème, c'est à cause de la fumée. Mais c'est pas le matin, il est 11h du matin, Kader. En fait, Maurice, il est 11h du matin. Savoir aussi quelque chose. Une heure après, il est midi. Et vous dînez à quelle heure le soir? Je mange pas. Oui, t'as vu la journée. C'est sûr, moi je comprends que tu manges pas. Parce que c'est... Ouais, quand? Tu veux manger quand? Je veux dire, tu... je pense que tout ça, ça a quand même... Il y a quand même des relations de cause à effet. C'est-à-dire, si tu te lèves... les gens ils se lèvent entre 5h et 7h30... 8h30 tu déjeunes, après ça éventuellement tu fais une petite collation rapide à 10h30 et un repas à 13h. Bon,
C'est sûr que ta vie, c'est pas la même que celui qui se lève à... Tu te lèves à 11h du matin. Putain. Ouais, 11h du matin, tu... Parce que vous êtes couché à quelle heure, là, pour vous lever à 11h, Zora? 1h, 2h. Oh là, t'imagines le temps qu'elle passe dans son lit. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, midi, 9h, 10h, 11h. Ça fait 10h qu'elle est dans son lit. Non. Oh, après, on est là à l'emmerder, à lui dire oui, il faut que t'envoies des CV. Elle dit, mais quoi? Zora, envoie des CV. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais des CV, je comprends pas ce que tu dis. Non, c'est vrai, c'est tard, hein, 11h. Hein. Non, mais je lève pas toujours à 11h. Ah ouais, là, ouais. J'ai regardé là, je me suis réveillé à 7h du matin. 7h. Hein. Ah, et alors qu'est-ce que tu as fait? Parce que. On a regardé télématin. On a regardé bonjour avec Maurice. Putain, le mec, il s'est mis à regarder télématin. Et après tout ça, Maurice, qui a sa nouvelle émission sur TF1, bonjour, de 7h à 9h30. Oh là là, mon Dieu. J'ai pris un petit déj, et après Maurice, je me suis recouché. Et je salue Bruce. Cette émission, Maurice, sur le podcast, je le salue bien d'ailleurs. Attends. J'ai pris un petit déjeuner à 7h du matin, ouais. J'ai vu ma club, j'ai bu du thé, ouais. J'ai mangé, et après j'ai tout dormi. Jusqu'à quelle heure? Il est à 9h30. Ah ouais. Et ça, c'est la vie à 30 balais. Hein. Hey, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ouais. Ils veulent pas travailler. Alors. Ouais, enfin, ceux qu'on te montre, hein, parce qu'il y en a plein d'autres. T'as vu, on a un premier ministre, il a 34 ans. 34 ans, lui, c'est pas le genre... Il est gay? Oui, il est peut-être gay, j'en sais rien, mais ce que je peux te dire, c'est que lui, sans doute, a... Quand il avait 29 ans, il n'était pas au lit à 11h du matin. Hein. Non, lui, je pense que c'est de la famille de Macron ou le cousin de Sarkozy, je ne sais pas. Ah oui, ouais, en tout cas, c'était quelqu'un qui se lève, qui bosse, qui est actif, qui... Ah oui, mais c'est normal quand il a la santé, facile. Hein. Et ouais, il est facile, il a la santé. Heureusement, comme 30 millions de Français qui ont la santé, qui se lèvent le matin pour bosser. Non, mais c'est normal, Zora. C'est pas ta faute à te lever à 11h du matin, te recoucher, regarder la télé. C'est sûr que c'est ça. Ouais, tu. Soul. Ah ouais, ouais. Ta vie, oui, ouais. Crise de nerfs, hein. Ah oui, je sais pas si on arrive à faire une crise de nerfs en se levant à 11h du matin. Parce que je crois que moi, même le dimanche, je me lève pas à 11h du matin. Je sais pas comment vous faites. Franchement. Ah ouais, moi je me lève pas à 11h du matin. Si tu travailles la semaine de lundi à samedi, ou de lundi au vendredi, ouais. Et dimanche, c'est le week-end, c'est grâce matinée le samedi et le dimanche, non? Oui, enfin grâce matinée, mais je me lève pas à 11h du matin. T'imagines? Vas-y, tu travailles le matin, toi, à 5h du matin, t'es boulanger. Mais je parle pas des boulangers. Eux, ouais. Ils ont vraiment une vie très particulière. Je parle des gens normaux. Moi, je me lève pas à 11h du matin, même le dimanche. Je veux dire, c'est... T'imagines, la journée est finie. C'est morte. Bah oui, si tu te lèves à 11h, tu te lèves à 11h du matin. Bah oui, ou alors t'es malade. Si t'es malade ou ça va pas... Parce que tu te mets en route là à 11h du matin, donc t'es opérationnel à quelle heure? À 13h. Mais Boris, ouais. Je suis opérationnel jusqu'à 16h et alors après, je vais faire quoi du cheval et... Moi j'avoue, Maurice, je suis pas très choqué en fait. Je vais t'avouer, Maurice, franchement, moi j'avais cette vie là quand je distribuais le papier. Je trouve que... je parle sérieusement, Maurice. Je trouve que on doit se réveiller quand les yeux s'ouvrent, en fait. Je pense que... Mais non, Alexandre. Tu te réveilles. Alexandre. 10h30, 11h, donc tu prends un petit déj, mais tu te réveilles, je parle, hein. Allez, tu te lèves. 2-3 heures après, Maurice, tu as faim.
Donc il est 13h30. Je déjeune à l'heure espagnole, puisque les Espagnols, ils déjeunent souvent à 13h30. Non, mais ils se lèvent, hein. Les Espagnols, ils se lèvent le matin. Ils décollent pas leur journée à midi. Hein. Les Espagnols, ils se lèvent avec à la fraîche. Ils se lèvent à 5h du matin. Et moi, quand... Et c'est vrai qu'après 10h30, par contre, une demi-heure après, je suis opérationnel. J'allais chercher mon papier. Tu vois, donc je me dis, allez, je bosse une petite heure et demie. Mais ensuite, voilà, je range le papier chez moi. Et puis bon, je me prépare le repas, il est 14h. Bon, ensuite. Alexandre. Attends. Entre 14h et 19h, bon, bah, t'as tes activités qui te préoccupent ou pas. Le soir, bah, t'as ta petite soirée. Alors bon, pour ceux qui bossent tôt le matin, bah, ils se lèvent, ils se couchent tôt. Mais sinon, moi, se coucher à 23h, non? Après, j'ai ma petite émission de Maurice Radio. Mais Alexandre. Après j'ai vite fini. Il est devenu narcissique. Mais arrête. Et je termine à 1h du matin l'émission. Bon, 1h du matin, plus 9h de... Il faut 9h de sommeil. Oh là là, bon. Mais non, mais tu n'es pas un bébé. Ce sont les bébés qui dorment 9h. Un adulte, ça dort pas 9h. T'imagines 9h de sommeil. Mais tu dois avoir mal au dos et des problèmes de circulation pour rester aussi longtemps allongé. C'est extrêmement long, 9h. Mais c'est ça. Quand t'es en construction, ton... La forme du corps. Oui, parce que ton corps est en construction. Quand t'es adolescent, oui, tu dors 9h parce que tu gagnes 10 cm chaque nuit. Oui. Mais à 45 ans, tu peux pas dormir 9h quand même. C'est énorme. Moi, je dors 8h, ouais, 8-9h, ouais, 8h. Ouais. C'est énorme. Mais moi, je pense que aussi, ça participe à t'empêcher d'avancer, hein, de dormir autant. Et, par contre, je suis reposé, Maurice, hein. Ouais, mais je suis pas sûr. T'es fatigué d'avoir dormi. Ouais, je suis pas sûr que tu sois tant reposé que ça. Mon problème, c'est que je dors peut-être beaucoup. Ah, mais vous vivez la nuit, Zora. Mais non, ils vivent pas la nuit, Zora, le soir, là, ils ont un coup de chance. Zora, normalement, à 11h30, c'est fini, elle est plus là. Elle est plus opérationnelle, elle est dans son lit. Tu te lèves le matin tôt, le soleil se lève aux alentours de 8h30, 9h. Donc vous êtes encore au lit. Attends. Tu te lèves à 10h. 10h30, 11h. Le soleil commence à amorcer sa descente à partir de 16h30. Donc en gros, entre 11h et 16h, t'as passé 5 heures à la lumière, en fait. Ouais. Après aussi, savoir que quand c'est parce que depuis qu'il fait froid aussi, hein. Parce que s'il fait chaud, il fait beau, je suis pas là à dormir moi. Eh ben oui, mais bon, l'hiver, c'est pourquoi tu. Alors normalement, tu devrais donc en profiter pour te coucher plus tôt. Ah, si t'as du mal à rester peu de temps au lit. C'est ça le problème, j'arrive pas à dormir tôt. Le matin. Non, parce que moi, si je dors tôt, je me réveille dans la nuit. Enfin, tu te couches pas très tard, Zora. Nous, on te voit te coucher là derrière le pépère là, quand il appelle. T'es couché assez tôt quand même. Enfin, je trouve. Enfin bon. Minuit. Ouais, un peu avant minuit. T'es souvent couché avant minuit. Ah non, je suis sur mon téléphone là. Ouais. Et tu sais, Zora, le rythme biologique, c'est pas un rythme de. Comme souvent on dit, il faut 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. Ton corps, il a une horloge biologique. Si tu dis qu'à 4 heures, tu te relèves, il fut un temps, les gens, ils se couchaient aux alentours de 21 heures, ils se relevaient vers 3 heures, et puis ils se couchaient, mais ils se relevaient, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, ton corps, il a quand même un rythme, en fait, hein. Donc, si t'es réveillé à 4 heures, c'est que ton corps, bah, finalement, il a récupéré. Si tu restes, tu te forces à rester au lit, c'est qu'à un moment donné, donc t'es plus dans une phase d'endormissement, c'est un travail là que tu mets à ton corps, tu dis il faut qu'il dorme. Donc tu lui imposes. Tu vois? En fait, t'es en train de dérégler ton. Bah oui, tu dérègles ton corps, en fait. Tu dérègles complètement ton corps. Tu te lèves pour regarder une émission à 6h du matin, tu te recouches à 7h et pour te relever à 9h30. C'est bizarre. C'est bizarre. Puis à l'alimentation, comme disait Maurice et Benjamin, c'est très important. Alors moi, le matin, moi, j'aime bien déjeuner consistant à manger quelque chose, parce que le soir, je mange aux alentours de 19h. Donc, le matin, j'aime bien... Tu manges quoi le matin, toi, Kadek? Ça dépend, je peux manger une omelette, des œufs brouillés, je
peux manger aussi du riz préparé la veille, un fruit, café, la vitamine. Mais t'es dans quel coin de Madagascar, Kader? Non, mais tu sais que... On a discuté une fois de ça, Maurice. On avait plaisanté, mais je pense que l'alimentation du matin doit être... Enfin, à mon sens, pour moi, je trouve que c'est très important d'avoir... Mais moi, Kader, je dis depuis tout à l'heure à Maurice, qu'est-ce qu'il mange le matin? Il ne veut pas me répondre. Ah, qui, moi? Je sais. Moi, ce que je mange, moi, le matin... Maurice, moi, il mange un saucisson? Non, alors... ça peut m'arriver de manger une petite tranche de saucisson, mais non. Moi, mon petit-déj... c'est vrai, parce que j'aime beaucoup le saucisson. Mais... mon petit déj, c'est, moi j'aime bien des tartines de pain grillé et du café, quoi. Voilà, ça pour moi c'est bien, avec un fruit éventuellement si je suis motivé, voilà, un fruit. Et puis après, si j'ai une petite fenêtre, je veux bien me faire un petit jus, ouais, un petit jus un peu marrant, avec des mélanges un peu rigolos, quoi. Voilà, mais petit, un hein, petit volume, quoi. Sans eau. J'avais une question. Oui. Vous, le matin, vous avez jamais bu de l'alcool? Comment? De l'alcool. Non, ouais. ça pas d'alcool le matin. Ouais. Non, pas, bon, enfin. pas d'alcool, non. Non, parfois. Parfois le petit déj, voilà. Donc, mais plutôt quand je suis aux États-Unis, le petit déj avec un. Voilà, un œuf, un machin, un truc un peu rigolo, là. Ouais. Mais plutôt en Amérique, pas. Chez nous, parce que le pain est pas très sympa. Donc, voilà, tu révolutionnes un peu ton déjeuner. Je l'accorde un peu à l'endroit où je suis. Ah, le matin, moi, je trouve qu'il faut bien déjeuner. Hein, le matin, ouais. Je pense qu'il faut... Enfin, quand je dis bien déjeuner, c'est pas dire gargantuesque, mais il faut manger comme un roi le matin, manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un pauvre le soir. Une bonne soupe le soir. Après, Matt Pokora, il a changé ses horaires depuis. Moi, je pense que le réveil idéal, c'est 9h30, 9h, 9h30. Mais si t'as des gamins, tu dois te réveiller à 7h. Eh ouais, parce que c'est le gamin qui te réveille. Tu dois les emmener à l'école, tu dois l'habiller, tu dois aller chez le pédiatre, chez le médecin. Prends-toi ce gamin, là. Et là... tu l'emmènes à l'école, surtout. Parce que 7h, c'est tôt. Hein. Putain, tu te réveilles à 7h, 7h30. T'as pas de gamin, toi? La journée est longue, hein. T'as pas de gamin, toi? Dis sa femme. Non, mais c'est impossible dans votre situation d'avoir un enfant si vous levez à 9h30, à 10h30, 11h. Avec lui, jamais. Et ça, c'est une grande maturité qu'on a de ne pas faire d'enfant. Ça sert à rien de dire ça. Parce que moi, l'enfant, il se couche à 9h le soir, il se lève le lendemain à 10h. Zora pense qu'avec ce rythme-là, elle peut avoir un enfant. C'est pas vrai. Kader, j'ai un enfant, je veux avoir un enfant avec Kader. Ah, tu veux faire un enfant avec Kader? Ah oui, non, ça c'est... Ah bah voilà. Arrête, tu veux faire un enfant avec moi? Oui. Pourquoi tu veux faire un enfant avec moi? Parce que j'aime comment tu es très intelligent, t'as beaucoup de respect, t'as beaucoup de valeur, t'es... Voilà, t'es Alex, je vais me sentir gêné avec Alexandre. Ah, là, maintenant, non. Parce que mon gosse, je veux qu'il te ressemble, mon garçon, je veux qu'il soit toi. Ah, c'est une belle déclaration, dis donc. Eh ben... Oh là là, Zora, qu'est-ce qui t'arrive? Zora a envie de changement dans sa vie. Ah ouais, trop, je suis saoulé. Mais tu sais, Zora, il n'y aura pas de... Je me couche, je dors jusqu'à 9h30, 10h à la maison. Hein. Oui. Ça va, toi, t'as un jardin? T'as plus les poules, c'est fini? Si, j'ai toujours le jardin. Là, j'ai des hérissons là, qui viennent que je nourris, des oiseaux. Ah, faut pas qu'ils piquent. Les poules, c'est fini. Mais non, mais de toute façon, tu seras pas là pour t'occuper des poules ou de quoi que ce soit. Hein. Enfin, c'est ça que je veux, moi. Non, tu vas attaquer le repassage, Zora. Attention, avec Kader, réveil 7h15. 7h15, petit déjeuner jusqu'à 8h, Zora. Et après ça, repassage ménage. Mais j'aime bien Maurice, moi. C'est qui, ça?
Ouais, mais attends, attends, mais le cadre, il a pas dit que c'était juste une fois par semaine, hein. C'est tous les jours, lundi au vendredi. Non, parce que tu serais une femme indépendante, Maurice. Tu travailles, il me laissera travailler. Ah oui, oui. Bah, attends, bien sûr. Bah, bien sûr. Mais de toute façon, c'est pas, il te laissera, c'est que, dans un cas pareil, Zora, honnêtement, je me vois mal en train de vivre avec une personne qui reste à la maison toute la journée, non? Ben, voilà, c'est pourtant ce qui risque de t'arriver si Zora, après, elle va se mettre sur TikTok. Tu vas la chercher partout, elle sera dans le jardin en train de faire TikTok. Non. Et après, tu seras obligé d'appeler Alexandre. Alexandre, viens la chercher. Alexandre, il dira, non, moi, je viens pas jusqu'à 3, tu me l'envoies. Et après, t'as Zora qui va commencer à te dire, ah, c'était quand même mieux avec Alexandre, hein, parce que lui, il a une grande bite. On se levait à 9h du matin et on pouvait faire TikTok. On regardait, je sais pas quoi, les coups de minuit, je sais pas quoi, le midi. De toute manière, ce que tu viens de dire, Maurice, c'est important. Après tout ce que j'ai entendu, Zora, tu vois, c'est... Ah, direct, la machine, je la connais déjà d'avance, tu vois ce que je veux dire. Avec Zora, t'inquiète pas, Zora ne va pas changer comme ça. Hein. Non mais Zora, il faut que tu sois active. Hein. Moi, est-ce que toi, par exemple, Kader, est-ce que tu es prêt à te faire traiter de grosse tapette? Je crois que c'est une tapette, parce qu'il sera différent d'Alex, et il est différent d'Alex. Ah non, mais de toute manière, je vais te dire, Zora, les mots comme ça à la maison, il n'y en aura pas. Hein. Ah oui. Il va falloir, tu vois, ça fait partie de tout le changement à venir. Hein. Ouais. Ah oui. Ah ouais, chez moi, c'est des chiffres et des lettres, on peut tout lire, tout faire. Ah, Zora, ça va la changer. Hein. J'ai changé d'avis. Et maintenant, j'ai changé d'avis. Je vais peut-être être préférablement être lesbienne, Maurice. Ah soit oui. Soit je suis célibataire. Bon, ah bah ça y est, maintenant. Ça ouais, mais attends, mais même lesbienne, peut-être que ta partenaire, tu sais pas parce que c'est une fille qu'elle va accepter que tu te lèves à 9h du matin. Hein. C'est pareil. Ah non. Une lesbienne soumise, Maurice. Hein. Attention. Ah, mais qui sera soumise, toi ou l'autre? C'est l'autre qui sera soumise. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est pas mal ça. Bon. Parce que les hommes aujourd'hui, ils sont pas soumis. Bah avec Alexandre, t'as trouvé un mec, il est un peu soumis, Alexandre quand même. Non, mais non. Non, toi c'est bon, toi. Bah si, là t'arrives, tu dis ouais. Tu es éliminé. Non, moi il y aura pas de soumission. Et ouais. Zora, il y aura chambre à part aussi. Ouais, elle baisera dans le garage. Après ça, il branche le Karcher. Tu nettoies. Allez, bonne nuit, chérie, à demain. Dormir dans le hamac. Il est à moi, c'est sûr. Ah, c'est dans le jardin, ça sent l'été. Hein. Hein ouais. Bon, il allez. C'est bien, Zora, il faut que tu... Je t'encourage à reprendre rapidement une activité, déjà physique aussi, parce que l'alimentation est physique, marcher, ça te fait du bien, ça te fera travailler un peu la tête, reprendre un peu, tu vois, un peu un rythme. Ouais. Mais le rythme, peut-être que c'est ça le problème, c'est le sommeil. Bien sûr, il en fait partie. Ouais, il en fait partie. Bien sûr, il en fait partie. Hein. Parce que si je me lève trop tard, c'est que j'ai pas dormi la nuit. Ou si... Mais toi, t'es une fille, ça se voit que t'es une fille active, Zora. T'es une fille, t'es dynamique. Oui, bien sûr. T'as de l'énergie, t'es une fille, ouais, t'aimes l'action. Ouais. Si tu te laisses poser sur le côté, tu dépéris. Donc, il faut absolument que tu te remettes un coup dessus. Ouais. Mais aussi, il faut savoir que je sois avec quelqu'un qui me motive, quoi, qui est comme moi. Je suis quelqu'un qui est comme moi. Voilà. Et lui, là, il n'est pas comme moi. Si, moi, je te motive. Hein. Motive, mais t'es pas tu comme veux moi. Faire un stage, tu veux faire. En fait, tu veux venir chez moi pour faire un stage commando, c'est ça?
Elle veut récupérer les points codes qu'elle a perdus. Non, mais je vais aussi apprendre des choses de toi et ton environnement, tes trucs à toi, quoi. C'est toi, c'est quoi, tu vas apprendre quoi? Non, mais tu veux savoir quoi? Bah, ton intelligence, ta culture, tout ça, ton savoir, là. Faut l'apprendre, faut l'intégrer quand je vais dans le discours du G. Bon, allez, on va se casser. Ouais, moi, je pense pas. Allez-y, ouais. Kader. Non, vas-y, Kader. Moi, je pense, Zora, que tu vois, il faut aussi compter aussi sur soi pour apprendre des choses. Tu vois, pour les confronter avec d'autres, pour avoir un avis, tu vois, tu peux apprendre. T'apprends des choses des autres, c'est très important. Mais il faut aussi apprendre par soi-même. J'apprends à chercher de moi. Ah, si tu veux prendre une route pour aller quelque part, si t'as 10 personnes qui disent 10 choses différentes, ça serait peut-être pas inintéressant que toi, tu t'intéresses toi-même au chemin que tu vas emprunter. Bien sûr. Oui, c'est moi d'abord qui va regarder, et après, je demande peut-être. Si je suis pas sûr, je demande à des gens. Ça va aller, Zora, ça va aller. Mais va au rendez-vous sans avoir d'a priori. Ah, pour l'entretien, hein? Ouais, n'y va pas avec un esprit, c'est bizarre, c'est machin, c'est si, tu vas. Ouais, tu connais Strasbourg. L'endroit en question, on te parlera déjà, donc puis t'as un peu l'habitude des gens qui ont présente-toi comme quelqu'un qui veut travailler, puis ça va bien se passer, c'est tout. Ouais, j'espère. Hein. Inch'Allah, on verra. Si Dieu le veut. Exactement. Pas mal. Merci, allez, on va écouter la conclusion de Kader à 3. Eh oui, comme disait Hippocrate, l'alimentation c'est le premier des remèdes. Donc, d'ailleurs, j'ai vu un documentaire qui est pas mal hier soir, qui est sur Arte, qui est peut-être en replay, comme on dit maintenant, sur Internet, et qui traite un peu de la médecine qui avait pendant un certain nombre d'années laissé de côté ce côté très important de l'alimentation qui, malheureusement, aujourd'hui, donne beaucoup de cancers, de diabète et d'autres pathologies, dont Alzheimer et la démence, cette maladie dont on parle pas souvent et qui existe malheureusement. Donc voilà, pour faire suite à votre conversation avec Benjamin et son petit sauté, désolé de ne pas avoir participé, mais bon, je préfère le pied de veau avec les pois chiches que j'ai dégusté avant-hier avec un grand délice, qui est une nourriture d'hiver magnifique. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt. Ok, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion de Zora ou Alexandre à Strasbourg. C'était bien, j'ai apprécié le moment que j'ai parlé avec Kader. Non mais Kader, je suis sérieux, j'aimerais bien venir là, sérieux. Ou viens avec moi à l'entretien. Non mais ouais, c'était bien, c'était cool, on a bien rigolé, on a bien appris des choses des autres, la vie de tout le monde, c'est cool. C'est bien de savoir, de connaître, ça fait du bien dans le moral, et voilà. Et ça aide, hein. Ouais, c'est cool, hein. Ouais, donc, voilà. Bah, merci à tout le monde, et bonne soirée. Ok, dans les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu, la conclusion d'Alexandre à Strasbourg. Ben, merci Maurice. Moi, je me sens très reposé. D'ailleurs, je trouve que j'ai fait beaucoup d'efforts dans mon éveil sur cette émission, où d'habitude, je m'endormais, enfin, j'étais moins vaillant. Je trouve que je suis très vaillant, là, d'année en année. Zora me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance. J'ai une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. Après, bon, c'est vrai que par rapport, justement, ouais, je suis content, Maurice. Bon, on a mis un peu divergé de toi. Mais après, chacun a ses avis sur le sexe, l'alimentation. L'essentiel, c'est, comme dit, d'avoir la santé, mais ouais... Allier les deux, c'est tellement bon et je remercie tous les intervenants, tous les gens sur le chat. Enfin moi je ne me saoule de rien. Moi j'aime bien tous les jours faire les mêmes choses. J'ai besoin de parce que ça il y a des bonnes routines. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui galèrent, qui sont c'est tous les jours le tribunal, la prison, les gamins, les emmerdes. Pour eux aussi c'est une routine. Il y a des gens pour la vie. Bon, après, je vais m'en aller, mais pour certains, la vie quotidienne, c'est des emmerdes.
Moi, la vie quotidienne, c'est pas les emmerdes. Ça m'aide, hein. Donc c'est formidable d'écouter Maurice Radolib quotidiennement. Pour celles et ceux que ça plaît pas, tant pis. Voilà. Bon, ben, bonne nuit Maurice. Et ben, je te souhaite plein de bonheur quotidien, les gens qui t'entourent. Demain matin, l'après-midi. Rigole bien Maurice. Et vraiment, prends soin de toi parce que moi, j'ai besoin de toi, Maurice. Tu n'as peut-être pas besoin de moi, mais moi, j'ai besoin de toi pour vivre, Maurice. Parce que t'es un repère dans ma vie, t'es mon ami. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami, oh. Maurice. Mon meilleur ami. Bonne nuit, Maurice. Ah, Kenra, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Donc, tu sais où me trouver. Bonne baise, peut-être. Et la conclusion. Ah, Kenra, les bonnes nuits. Et la conclusion de Benjamin Muguet. Oui. Eh bien, écoute, je voulais faire une petite citation. J'ai envie de dormir, je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Voilà, merci, hein. Bonne nuit et à bientôt. Alors, Kendra, bonne nuit à toi, ça tombe bien, t'es à la maison. Merci d'être venu, j'étais ravi de passer cette soirée avec toi qui est chez toi. Je salue celles et ceux qui étaient sur le chat et toutes celles et ceux qui écoutent cette émission. Alors, t'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique.